Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va se faire un gameplay d'un jeu pour lequel je vous avais fait une première découverte qui est Hellsblade Senua's Sacrifice. On va continuer un peu l'aventure parce qu'on n'en avait pas vu énormément, mais ce jeu il est tellement magnifique que je vous propose qu'on se refasse une petite session de gameplay. On se retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Alors, ce jeu, comme vous le savez, je l'affectionne beaucoup. D'ailleurs, il y a Hellblade Sacrifice, pardon, qui doit sortir la version 2 très bientôt. En attendant, avant qu'on ne commence, si vous ne vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas, faites-le. Activez la cloche pour les nouvelles notifications pour les vidéos qui vont sortir. En attendant, nous, on va partir en mode gameplay pour notre périple qu'on va continuer de ce pas. Alors, on va continuer la partie. Je vous avoue que ça fait un bout de temps. D'ailleurs, je vous mets le lien sur la première vidéo que nous avions fait au-dessus de l'écran. Et par contre, on va redécouvrir ensemble. Parce qu'honnêtement, je ne sais plus où j'étais arrivée. Donc, allons-y. On va regarder ça. Alors voici le personnage. Donc là on est dans la pénombre, donc on va plutôt, bon, on va prendre les escaliers déjà. On va voir un petit peu plus le personnage. J'essaie de vous remettre un peu le contexte. Donc vous voyez, c'est un jeu qui était sorti, si je ne m'abuse, en 2017, qui pour l'époque, juste regardez le personnage, c'est impressionnant la manière dont cela a été modélisé, la texture des vêtements. C'est franchement, c'est juste magique. Là, il y a eu un travail assez colossal qui a été fait. Alors, nous ici, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire là, là non plus. L'eau, ok. On va aller monter, voir un peu ce qui se passe. Alors, c'est ouais, c'est F le bouton d'action. Hop, c'est parti. Alors. Ah oui. Comment on saute? Gag. Je vais vérifier, excusez-moi. Jump. C'est quoi? Frappe, corps à corps, parer, esquiver, courir, focaliser, se déplacer, regarder. Ouais. Esquiver, spacebar, parer. On ne saute pas. Très bien. Eh bien, on va voir ce que ça donne alors si on ne saute pas. Il n'y a pas de. D'accord. Il n'y a pas de trou en fait, donc c'est normal. Alors, oula, ici c'est un petit peu périlleux. Hein. Allez, on y va. Normalement, on dit qu'il ne faut pas regarder en bas, hein, je crois, quand on, si on a le vertige ou autre. Bon, bah. Là, il ramène automatiquement le regard vers le bas. Bon. Allez, ok. Continuons notre progression. Alors, oula, ça par contre. Non, ça va aller. Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur, ça va aller. Ne tombe pas, Senua, ne tombe pas. Ouf, on est bon. Ah. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline. Bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim
and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. D'accord. Je ne pense pas que ce soit très positif comme, comme chose. Alors, est-ce qu'il y a... Non, là, ok. Alors, ici, visiblement, je dois pouvoir descendre. Ça a l'air d'être une échelle, me semble-t-il. Je vais juste avant aller voir ici. Ah, par contre, oula, c'est hyper sombre. Hein. Ok. Ah, c'est une impasse, en fait. D'accord, c'est donc on ne peut pas... Ok, on est obligé de prendre l'échelle. Allons-y. Sauter ou... Ah bah, d'accord. Ah, ça a l'air d'être plus clément comme ambiance, plus agréable déjà. Ok. The living from the dead. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Shh. Someone's here. Oh. Il est vraiment beau ce jeu, franchement il est magnifique le personnage. Attendez, là je commence à paniquer parce que... Oula. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Oula! Oula! Mais je peux rien faire là! Je ne peux rien faire! Ne meurs pas, s'il te plaît, ne meurs pas! Oula! Oula! Et ça, c'est pas un copain! Oula! Ah, baston! Mourir. Ne meurs pas. Relève-toi. STP.
Non, 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 reste avec nous. Aïe, 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 aïe. Et j'ai perdu. A vision of what's to come. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Il est stressant le jeu, franchement, il est stressant. Ah, c'est vraiment spécial, hein. Pour l'instant, je peux rien faire. Hein. The dark rod will grow each time you fail. If the rod reaches Sinua's head, her quest is over. D'accord. Ok. Et toutes les avancées seront perdues. Oui, tout à fait. Merci. J'ai envie de dire. The hardest battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire. Merde. And the god of illusion. Oh. Raven. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ouh là 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 là. D'accord. Eh bien. It won't open. How will she get through? Why won't it open? Why can't she open it? She needs to challenge the gods. She has to fight two gods first. Two gods? Two gates. Which will she choose first? One of them will kill her, I know. She's going to die. Uh-oh. Which one will she challenge first? Be very careful, Senua. Choose a gate, Senua. Two gates, two gods. She's too scared. Which one? Je me trompe de bouton, les amis, excusez-moi. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Ah, les amis, excusez-moi pour la notification. Je peux même pas l'enlever en plus. Alors attendez, je vais essayer quand même. Excusez-moi. Hop. Voilà. Ok, je sais pas si j'ai lu tout là. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip,
and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. D'accord, donc ça c'est simple. Valravn, ancestor of the seers and master of ravens. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Uh-oh. Follow the path to Valravn and defeat him in battle to earn his mark. The gate to Helheim cannot be opened without it. Bon, de toute façon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Ça lag un petit peu de temps en temps quand même. Sachant qu'on a quand même une carte graphique normalement tout à fait correcte. Alors, bon, bah essayons de le trouver. Il est où le dieu? Viens. Je vais essayer d'aller droit au but. Concentre-toi. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Oups, là c'est du... Un truc là. Je peux monter sur le pupe. Je vais faire le tour. Non, il faut que j'aille de l'autre côté. Là, c'est le... D'accord, et là, je le vois. Ben, allons-y, hein. Je ne peux pas sauter, par contre. On va faire le tour. Peut-être prendre la torche. Ah bah non. Ça sauvegarde automatiquement. Ouh, vous avez vu les amis? Ça lag un peu hein, par moment. Ça lag un petit peu. Alors attendez. Qu'est-ce que... Okay. Ah.
Il y a quelque chose qui me tombe dessus ou... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah, d'accord, je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Ah, attendez, je suis un petit peu perdue. Voilà, c'est par ici. Voilà. Je n'avais pas vu cette échelle. Mon Dieu. Allez, on y va. Il est où le dieu là? C'était pas la folle ambiance quand même ici, hein? Assombri de manière significative. Allez, il est où là? Viens le dieu, viens qu'on en finisse. Go back? Non, non, non. On s'est déplacé maintenant. Est-ce que je peux interagir avec cette espèce de totem? Non. Avec ça, peut-être? Non plus. Toutou, ouais, c'est un peu spécial, là. Que suis-je censé faire? Toc toc, c'est moi. C'est moi. Si vous pouviez me laisser entrer, monsieur, ce serait parfait. Je crois que nous devons nous chamailler, nous chafouiner. Ah, allez, c'est moi. Allez, come on. Je n'étais pas au bon endroit, c'est pour ça. Et sympathique. Oui. C'est intéressant. Oula, un autel de sacrifice là, visiblement, des sacrifices humains. Rien à faire. Ok. Très, très particulier, c'est une ambiance un peu. Je ne peux pas passer. Go back. Les voix me disent de m'en aller, mais non, en fait. Non, 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 pas du tout. On va pas faire ça. Là, c'est d'où je viens. Mais en fait, il faut que j'aille là, hein? On va dire ça. Allez, on y va.
Ah, ou pas. Ah, on n'y va pas. Ça y est, on y est, les gars. On y est, les amis. Les amis, oh là, ah oui, là j'ai, ouf, ouh, j'ai ramassé. Allez. J'ai pas, je l'ai eu. Je ne sais pas. Ah, vous avez remarqué, ça devient. Les Nordiques ne l'arrêteront pas. Elle trouve ce qu'elle cherche. Alors, hop. Ok, ça c'est. L'ambiance est devenue meilleure. Il ne pleut plus. Donc, il semble que je l'ai vaincu. Alors, je suis censée faire quoi? Je vais quand même vérifier ici. Oh là là, c'est. C'est l'ambiance quand même dans le coin, hein. C'est ouf, c'est un peu lourd. Donc on va aller du côté de la porte, on va l'ouvrir, je ne sais pas où ça va me mener. Donc c'était un des dieux à battre avant de pouvoir aller voir Helheim, c'est ça. Je ne suis pas au bon endroit peut-être. Non, attendez. Ah voilà, c'est ça. Je n'étais pas bien positionnée. Ok, donc ça vient de sauvegarder. Alors, qu'est-ce que je trouve ici? Ok. Alors, les combats ne sont pas finalement, enfin, en termes de mouvement, j'entends, il n'y a pas pléthore de mouvements à faire. Donc, il y a l'attaque avec le bouton gauche de la souris, avec le bouton courir shift. On peut faire cette attaque avec en pointant l'épée comme ça, où on fait le coup vers l'avant de l'adversaire. Et on a la barre d'espace qui permet d'éviter de reculer d'un pas. Donc il faut essayer de bien temporiser et bien gérer cela. Je regarde le temps, les amis. Ça passe très très vite, mine de rien. On fait un petit coup de focus. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire, si. Si, c'est ça. Valravn's power of illusion comes from ravens. Aligne-les. Align the ravens to break his magic seal. Show me what you have seen, Truth. Look how much has changed. Ok. Les. Oula. Là, vous voyez, il y a la tête. Il va m'attaquer lui ou est-ce que je peux ah, attendez, c'est hop. J'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut que j'aligne. Il y a le sigle. Ben, c'est là pourtant, non? Align the ravens with the mark of Valravn. Oui.
Oui, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. C'est pas ça. Ah, attendez. Il y en a un au-dessus ou pas? Est-ce qu'il faut que je monte? Il faut peut-être que j'essaye de monter là-haut. Vous voyez le corbeau là en haut, c'est la patte gauche, donc il faut que j'arrive. Mais je ne sais pas comment. Donc ça veut dire que. Attends, il faut peut-être que je prenne du recul. Parce que. Ouais, c'est ça le truc. Donc, il faut les rassembler, je pense, là, il faut les aligner, mais comment faire? Est-ce qu'il y a de quoi monter quelque part? Parce que là, je ne crois pas. Là, il y a des pieux, donc on ne peut pas vraiment y aller. Ah, c'est embêtant. Je peux pas monter là. Là, il y a pourtant il y a ça, cette chose-là peut m'aider. J'ai l'impression qu'il faut monter quelque part. Les amis, j'avoue que là, c'est un peu énigmatique. Attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que je peux monter sur ce rocher, ce qui m'arrangerait? Mais non, visiblement, je ne peux pas. Parce que je voudrais monter là, sur ce.
Je peux pas. Ah, peut-être ici. S'accrocher aux plantes, non. Pour monter, non. Bon. Aïe, aïe, aïe. Je patauge un peu. Donc, je crois voir ce qu'il faut faire, mais... Mais... C'est peut-être une question de perspective, ceci dit. Bon bah les amis, écoutez, je pense qu'on va se garder cette petite énigme pour une prochaine vidéo. Mais du coup, ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans cet univers parce que vous avez vu, c'est quand même très très particulier. C'est vraiment un univers très spécial avec, voilà, on est vraiment dans les ténèbres, dans les tréfonds de l'âme, de l'esprit. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a des voix qu'on entend qui soit sont un peu moqueuses, soit sont encourageantes. C'est vraiment très spécial, très particulier. Moi, j'aime beaucoup cet univers. En plus, graphiquement, alors évidemment, comparativement à un jeu d'aujourd'hui, on pourrait dire peut-être, par exemple, au niveau notamment de la végétation, c'est un peu statique. Voilà, ça manque un petit peu de vie. Néanmoins, je vous rappelle, le jeu, il ne date pas du tout d'aujourd'hui. Ça fait 6 ans qu'il est sorti. Oui, parce que je vous ai dit 2017, mais en fait, je sais pas, c'est aux alentours de 2016-2017 de mémoire. Je vous l'avais dit, je crois, dans la première vidéo. Mais donc, il ne date pas d'aujourd'hui. Et moi, je trouve que le personnage, Senua, est particulièrement soigné graphiquement avec une multitude de détails au niveau de la coupe de cheveux, tant au niveau du visage, on voit bien le grain de la peau, l'expression, enfin c'est vraiment super. Donc c'est vrai que par contre le jeu réservé un peu peut-être à un public entre guillemets averti au sens où ça peut être un petit peu déstabilisant cet univers un peu bizarre si je puis dire, donc peut-être pas à mettre entre toutes les mains ou en tous les cas y jouer selon un peu l'humeur dans laquelle on est. Voilà, peut-être un petit point d'attention là-dessus. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu en tous les cas. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, comme je vous l'ai dit au début de la chaîne. Surtout, activez la cloche pour les prochaines vidéos qu'on pourra sortir. Et puis, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Ça nous fait toujours de la motivation pour continuer en tous les cas à vous proposer du contenu. Voilà, ben, en tous les cas, moi je vais vous laisser pour le moment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.